toujours pour les rouges et noirs. On change de côté là-bas pour l'OSIF. Avec le jeune Aït El Hadj qui essaye le battement de jambe, il revient derrière avec cette fois-ci Jahnit qui décale de l'autre côté, le bâton n'est pas sorti, il va être sauvé in extremis avec Othmane qui contrôle dans la surface, corner ou pas corner. Corner pour l'Usma, il s'est bien battu hein, le jeune Athmani pour aller essayer de centrer, même si on va la revoir, il n'y avait peut-être personne au niveau du point de pénalty au second poteau, mais en tout cas il a obtenu ce corner. Absolument, je crois que aussi bien on va la revoir Othmane qu'Aït El Hadj, voilà, ils apportent cette fraîcheur, cette vivacité qui peut faire mal aussi assez, parce qu'avec leur vitesse et leur vivacité dans les 18 mètres, ça peut engendrer beaucoup de fautes et peut-être corner à suivre avec cette tête, attention le danger est encore là et second corner, non, le ballon qui va sortir en touche, c'est Jahnit pour Mezian. Pour Merili. Merili Baouch, il lève la tête, il va enrouler dans la boîte là-bas pour la tête de qui ? Personne. Et c'est certainement même Aït El Hadj qui va le récupérer. Aït El Hadj, le chouchou des supporters de l'USMA, qui centre pour personne. Merili, voilà, il n'a pas de solution. Tout de suite, on lui donne au jeune Aït El Hadj. Et on va être obligé de centrer, de mettre dans la boîte. Attention à la tête et Rahmani qui dégage. Mais il y avait une faute sur le gardien, voilà, et qui a été un petit peu touché et qui reste au sol. Raté, il n'y avait personne du côté de l'USMA pour récupérer ce ballon. C'est ce qu'on appelle les deuxièmes ballons. Et, il n'y a personne avec ce contre. Pour le CSC, ça va repartir. Là, il ne trouve pas de solution. Et Bekachi, il n'a pas fait faute, Bekachi. Et ça va repartir de l'autre côté, un joueur qui reste à terre. Le contre, est-ce qu'il va aboutir ? Mezian qui va se rapprocher, va tenter la frappe, il décale de l'autre côté. À droite. C'est bien joué, il a dit à droite pour tenter la frappe et l'ouverture du score ! Oh, l'ouverture du score ! Pour Usman Dagé, à quelques minutes de la pause, à 5 minutes. Mais quelle action ! Elle est venue de cet homme, Mezian. C'est Aït El Hadj qui était au départ et à l'arrivée. Mezian, pour une fois, qui a su donner le ballon au bon moment. Et quelle frappe, malgré les gants de Rahmani qui ont touché ce ballon. Mais ça fait 1-0 pour l'USMA qui a tout tenté. Et encore une fois, le bel hommage pour Bilal, la Rahma et l'USMA qui mène 1-0. Bah, une belle action, en tous les cas, pour une fois qu'ils ont été très vite dans le dernier geste. Voilà. Ça a été très bien joué et puis bon, même si le centre n'était pas trop réussi, mais en fait le fait d'entamer l'action d'une façon logique, ça s'est terminé par et puis vite, vous parlez de vitesse, le jeu a été rapidement joué en triangle et surtout c'est tueur, hein, les centres en retrait, c'est fatal pour une défense parce qu'on ne sait pas où le ballon va aller. Toujours un but à zéro, on a dépassé la 150e minute de jeu, ce centre au second poteau, il n'y a personne pour reprendre ce ballon et ça va être récupéré par Aït El Hadj. Aït El Hadj contré par Abdel Hafid sans faire de faute, si, il y a faute, dit l'arbitre. Chekal qui garde le ballon, il décale. De l'autre côté, le CSC qui va tenter de pousser Chekal qui... Larja qui appelle le ballon, superbe le contrôle du pied droit. Pas de solution, il est obligé de revenir derrière pour Mamri, il s'attendait pas à la trouver. Oh, super! Oh, le but! Oh, le but de l'année! Quel but! Quel but et quel coaching de Khalid El Madoui! Le ballon qui est revenu et le retourné acrobatique. Le CSC revient dans la partie, Mezian. Absolument, donc on disait qu'il y avait plus de mouvement dans le jeu, il y avait plus de précision aussi. Voilà, donc il y a trois joueurs qui sont rentrés à l'heure du jeu et ils ont apporté plus de fraîcheur, plus de... C'est Iboud, hein ? Waouh, quel but ! Quel but ! Et puis bon, c'est fort logiquement, donc après ces quelques minutes après les changements qui viennent d'apporter donc, le résultat et le... Et on revenir voit, au score. On voit ce but. Ah, tout à fait, regardez. Le ballon qui est mal dégagé. Et puis là, l'acte instinctif. Un magnifique retourné de Iboud en plein lucarne. En plein lucarne. Donc,
raté deux énormes occasions de repasser devant. C'est reparti. C'est attention à ce ballon avec Mahius qui sent peut-être la frappe de Méziane. Et pénalty sifflé par monsieur Boudelbala. Il a été fauché au pied d'appui, c'est Mahius. Hein. 78e minute de jeu, un but par contre l'Ismaël CSC. Mahius en duel face à Rahmani pour passer devant ici au stade de Dar Albayda. Mahius qui va. Est-ce qu'il va ouvrir son pied droit ou est-ce qu'il va croiser? Est-ce qu'il va attendre que le gardien choisisse un côté? Mahius qui frappe en bien frappé. Et le gardien n'a pas bougé. Et l'Isma qui repasse devant. 2-1. Signé Mahius. Excellent coaching de Boualem Sharef. Tout à fait. Je crois que aussi bien du côté du CSC où il y avait un bon coaching de la part de Khairdin Madoui. Après les changements qu'il a fait, a réussi à revenir à la barre. Et puis la réplique de Boualem Sharef, changement, et puis les joueurs changés sont à l'origine de cette réalisation. Donc très bon coaching des deux entraîneurs. On voit, il prend son temps, il attend que le gardien bouge, et hop, plat du pied. Mais c'est peut-être pas fini encore. Hein.